Sur le plan familial, Marcel était l'aîné d'une famille de 8 enfants, dont je fais partie, et je m'appelle Bernadette. Marcel Lihau, Azalaka mwana ya liboso, ya libota ya bana mwambi, ya tata moko pe mama moko. Nga nazali moko ya baleki na ye pe kombo na ngai Bernadette. Mon défunt père, le professeur Marcel Lihau, a épousé le 26 décembre 1964 à Kinshasa ma regrettée mère, le professeur Sophie Kamza. Je suis donc l'aînée d'une fratrie de 6 filles et je m'appelle Elisabeth Mansa Lihau Kamza. Je m'appelle Anne Lihau Kamza. Je suis chirurgien spécialisé en réanimation. De son vivant, notre père, le professeur Marcel Lihau Ebois, Libanala Molingo, avait obtenu un jugement contre M. Pichu Kalokola, qui était le fils de sa concubine avec un autre homme. Le jugement obtenu par notre père de son vivant doit être exécuté. Kalokola renie ses origines pour se cacher derrière les nôtres. Le test d'ADN exigé par Marcel Lihau en août 1998, 8 mois avant sa mort, doit être fait. Je m'appelle Irène Lihau Kamza. J'ai été choquée d'apprendre qu'un certain Pichu Kalokola se fait passer pour le fils de mon père. J'insiste à présent sur l'urgence du test d'ADN. Je crois en la justice. Je m'appelle Susie Lihau Kamza. Mes sœurs et moi-même avons été menacées, censurées par tous ceux qui ne veulent pas que la vérité soit connue. Déjà de son vivant, mon père avait introduit une action en justice contre Jean-Pierre Kalokola. Le jugement RC 1396, daté du 21 juillet 1998, avait donné raison à mon père en confirmant l'usurpation de Jean-Pierre Kalokola. Que Jean-Pierre Kalokola fasse un test ADN afin de révéler à la nation sa véritable identité et afin que justice soit rendue. Je m'appelle Zola Sophie Lihau Kamza. Jean-Pierre Kalokola n'est pas mon frère. Jean-Pierre Kalokola n'est pas le fils biologique de mon père, le professeur Marcel Lihau. Jean-Pierre Kalokola n'est pas le fils adoptif de mon père, le professeur Marcel Lihau. Jean-Pierre Kalokola n'est pas le neveu de mon père, le professeur Marcel Lihau. Nous avons été dénigrés, vilipendés, diabolisés et même menacés de mort. Tout comme mon père, le professeur Marcel Lihau l'avait fait de son vivant, et au nom de mon père, j'exhorte Jean-Pierre Kalokola à se soumettre enfin au test ADN, dans les règles les plus strictes de la science moléculaire. De son